Pour transmettre de la connaissance, il y avait jadis sept ancêtres, le tableau noir. Aujourd'hui, celui-ci est remplacé de plus en plus par l'écran d'ordinateur. Mais au-delà des moyens qui servent l'éducation, plus on s'instruit, mieux on peut agir sur le monde. Du temps du Bas-Canada jusqu'au Québec d'aujourd'hui, le développement du système scolaire a compté sur le dévouement de plusieurs volontaires. Certains sont même des héros. L'un de ceux-ci est professeur, didacticien, rédacteur de manuels scolaires et même politicien, au tournant des 18e et 19e siècles. Je pense que c'était un homme qui avait de façon vraiment profonde le sens du service collectif, du service public. C'est un des très rares laïcs au Québec et à Québec à prendre tant d'initiatives qui vont faire en sorte que les enfants vont être scolarisés en si grand nombre. C'était un homme très instruit, qui avait fait du droit, qui avait fait du commerce, qui avait fait de la comptabilité, qui parlait trois langues, bon, puis qui avait une bibliothèque extraordinaire. C'était un homme de très haut niveau intellectuel. Ce héros, que l'on qualifie parfois de père de l'éducation laïque au Québec, est Joseph-François Perrault. Il vit de 1753 à 1844. Il lutte contre l'ignorance et prône une réforme du système d'instruction. Je dois prendre les mesures nécessaires afin de mettre l'école primaire à la portée de toute la population. Il y a deux siècles, Joseph-François Perrault mène un combat de modernisation, tout comme certains le font encore aujourd'hui. Changer l'école, c'est difficile. Ça l'était du temps de Perrault, ça l'est encore aujourd'hui. C'est la seule chose permanente en éducation, le changement. Ça prend un projet mobilisateur. Pour mobiliser les jeunes, mobiliser une communauté éducative, il faut vraiment centrer leur intérêt sur quelque chose de commun à tout le monde. Et le portfolio, le cyberportfolio, quand je l'ai implanté, c'est un peu ça que je voulais. Je voulais que chaque jeune ait son site web, je voulais que chaque jeune ait son ordinateur portable, le crayon d'aujourd'hui, de façon à pouvoir communiquer avec les gens, avec la planète entière. Les jeunes, aujourd'hui, on a besoin de briser les murs de l'école pour qu'ils soient vraiment dans la société d'aujourd'hui. Joseph-François Perrault est né à Québec en 1753, de famille assez à l'aise, puisque son père était un gros marchand de fourrure. C'est une famille qui est arrivée de la région de Poitou, dans ce coin-là, qui arrive donc au début du 18e siècle. Et puis la guerre est arrivée en 59, alors le père a voulu partir à Trois-Rivières avec ses enfants, sa femme et ses enfants. Et pendant le séjour à Trois-Rivières, sa mère est décédée. Avec la fin de la guerre, signature du traité de paix, on permet à ceux qui souhaitent retourner en France de le faire. Le père, Louis, décide, lui, qu'il va plutôt rester en Nouvelle-France, mais il doit passer en France régler des choses. Alors, Joseph-François va être il a une dizaine d'années à ce moment-là, va être installé au séminaire de Québec comme pensionnaire. Les filles sont confiées aux Ursulines et le papa quitte pour retourner en France, régler ses choses. Alors, il va donc faire, Joseph-François, ses études, loin de sa famille un peu, enfin, famille dispersé comme ça pendant de nombreuses années. Pour comprendre l'œuvre de Joseph-François Perrault, il faut se situer après la conquête. Après la conquête, les nouvelles autorités britanniques n'empêchent pas les écoles de fonctionner, mais elles ont davantage de difficultés car elles sont privées de subsides royaux. Pendant tout un temps, les écoles ne suffisent pas à alphabétiser la population et on se retrouve avec un analphabétisme qui est très répandu. Alors, les années passent. Au début des années 70, le père, réinstallé à Nouvelle-Orléans, décide de faire venir sa famille. Il demande à Joseph-François, qui est toujours au séminaire de Québec, de rassembler ses frères et sœurs plus jeunes que lui et de venir le rejoindre en Louisiane. Et lorsqu'il arrive à la Nouvelle-Orléans avec ses frères et sœurs, le père n'est même pas là pour s'occuper d'eux parce que le père fait du commerce. Il s'en va à Saint-Louis, Saint-Louis, Missouri. Alors donc, Joseph-François, jeune homme, va aller essayer de rejoindre son père à Saint-Louis. Et c'est assez étonnant de le voir aller parce qu'à ce moment-là, il apprend l'espagnol, il apprend des langues amérindiennes, il se débrouille très bien, il va même devenir pendant un temps secrétaire ou greffier pour le gouverneur espagnol à Saint-Louis.
Alors, vous voyez, un homme quand même jeune, qui est débrouillard, et voilà qu'il se retrouve à la fin des années 1770 à 79, il se retrouve chez un oncle à Détroit, et c'est là qu'il entre en contact un peu avec ce qui va devenir sa carrière intellectuelle. Parce que l'oncle de Détroit, il avait une très belle bibliothèque. Alors, notre Joseph-François, il va vivre, il va passer à travers la bibliothèque de son oncle et il va aussi devenir professeur parce que ces familles-là étaient très nombreuses et il avait ses petits-neveux, ou enfin ses petits-cousins qui étaient là et on va lui demander, bon, lui qui a fait son cours au séminaire de Québec, ben pourrais-tu en faire enseigner à tes petits-cousins? Alors, c'est ce qu'il va faire, ben, il va enseigner et le côté pédagogique de Joseph-François Perrault va prendre un peu, c'est là qu'il va prendre un peu forme là, chez lui. Les jeunes d'aujourd'hui, qui ont 15 ans et moins, sont nés avec la présence d'Internet. On considère que c'est des natifs. Mark Prensky, un Américain, a bien développé ce concept-là, où ceux qui ont plus de 15 ans sont des immigrants. Et qu'est-ce que ça a comme caractéristique? Un natif, c'est capable de reconnaître l'accent des immigrants, notre accent, lorsqu'on utilise les technologies. Et une particularité de ça, c'est que les jeunes sont interactifs. Ils aiment échanger avec les autres. Intrinsèquement, ces jeunes-là qui sont nés avec Internet, ils ont besoin, pour développer leur identité, d'échanger. Pour eux autres, être passif, c'est pas une bonne chose. Alors, dans l'échange, ils se connaissent et apprennent à être.